Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Animal Crossing Pocket Camp. Oui, car il y a eu une mise à jour très récemment, comme vous avez pu le voir, l'écran d'accueil est d'ailleurs changé. Et je ne me suis pas spoil, j'ai juste installé la mise à jour. Donc écoutez, on va découvrir ça ensemble, donc c'est parti. La mise à jour va être téléchargée très bien, bah, je la télécharge, donc je vous fais une petite ellipse, à tout de suite. C'est parti, on va pouvoir jouer au jeu. Peut-être baisser le son, voilà, comme ça on est bien. On va pouvoir jouer au jeu, donc écoutez, c'est parti. On va voir ce que ça donne la mise à jour. Je ne me suis pas spoilé, j'ai pas regardé cette vidéo ou quoi, donc j'ai hâte de voir. Vous allez voir aussi, le cropping a beaucoup changé. J'ai fait pas mal de modifications, puisque la dernière vidéo qui était sortie, j'avais tourné il y a déjà une semaine avant sa sortie, au moins. Et ce qui fait que, bah, du coup, évidemment, qu'il y avait des choses différentes qui n'étaient pas là. Vous allez voir que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Voilà. Alors, je sais que c'est mis à jour à propos du jardin parce que j'avais reçu comme la notification, mais je n'ai pas vu vraiment d'enjeu ce qu'il y avait ou quoi. Donc déjà, oui, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vive la poire, tout ça, ok, le thème d'amitié, tout ça. Bon, voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Au passage, je vais vous montrer rapidement, hop, voilà. Les défis de Marie, vous voyez qu'il me reste que ça. Ah, oui, parce que du coup, il y a des nouveaux défis avec le jardin. Bon, du coup, on va d'abord aller voir ça, donc la boîte mail, évidemment. Alors, non, je récupère tout d'un coup. Donc, on a des bonus du jour et on a 20 tickets de roquettes et 20 tickets verts de la part d'Animal Crossing. Très, très gentil à eux. Les amis, bon, bah, on s'en fout. Bon, je peux quand même vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, voilà, j'ai des nouveaux amis. Tac. Que j'avais demandé, hein, au passage. Et par contre, il y a un ajout, en fait. Il y a visiteur. Il y a encore la notification, merci, voilà. C'est visiteur et genre c'est... D'accord. Là c'est pour les gens qui m'ont donné des coulos. D'accord, très bien. Ok, sympathique. Donc le market box, on s'en fout. C'est juste pour récupérer de l'argent. Voilà, parce que j'avais mis avant des trucs. Et les notifications, donc ce qui nous intéresse le plus. Donc pour la mise à jour. Alors, offre spéciale, mise à jour. La grande mise à jour est là. Ah non, déjà, donc oui, ça, si vous avez pas vu il y a pas longtemps, il y a eu un raid retweet, donc on a eu des tickets verts et il y a eu les annonces de Super Mario Run. Donc, du coup, on a tous eu une casquette Mario. Pardon. Donc, déjà, la mise à jour, la grande mise à jour est là. vous pouvez maintenant planter et cultiver des plantes dans votre propre jardin. Donc, ça, c'est dans le camping. Très bien. Rendez-vous-y depuis votre camping en marchant jusqu'au bout à gauche. Mode photo et partage. Vous pouvez maintenant prendre des photos de votre vie au camping et les partager avec vos amis. Note, les photos ne peuvent être prises qu'à votre propre camping ou à l'intérieur de votre camping-car. Sélectionnez l'icône de la caméra pour prendre des photos. Si vous ne sauvegardez pas ou ne partagez pas une photo, elle sera perdue. Ok, donc il y avait autre chose au-dessus. Offre spéciale. C'est quoi ça, l'offre spéciale? Vous pouvez maintenant acheter, donc ça on s'en fout si c'est acheté, voilà. C'est pour commencer le jardinage, très bien. Eh ben écoutez, je suis très curieux d'aller voir ça. Donc c'est parti, donc déjà, temps limité, pourquoi temps limité? Pourquoi temps limité? Ah d'accord, c'est juste que maintenant ils mettent toujours temps limité, d'accord, ok. Ça change, un petit nouvel affichage. Tiens, ça je l'avais jamais eu comme conseil, très sympathique d'ailleurs. Au passage, on prend des notes, tout ça. Ok, très bien, pourquoi pas, j'aime bien le décor, avec un peu, il y avait un touillet, un nounours ou quoi. Donc ça je savais qu'il y avait le jardin, mais je savais vraiment pas comment ça allait se situer. Et je suis très curieux de voir comment ça marche. Donc est-ce qu'on va nous expliquer ou quoi? Donc oui, donc au passage, je vais d'abord vous faire montrer. Quelqu'un dans les environs a envie de bavarder avec moi. Ah, c'est stylé ça par contre, le truc. Donc juste rapidement, je vous montre donc mon camping. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de trucs, un sapin, tout ça. Là, je construis actuellement une rampe de skate. Voilà, pour les petits curieux qui voudraient savoir. Je ne peux pas passer. Ah, c'est ça, merci. Donc dans 19h, et j'ai déjà construit ça. Et pour les avancements que j'ai au niveau des gros projets, entre guillemets... donc j'ai toujours tente nature niveau 1, après j'ai tente mignonne niveau 3, tente sportive niveau 3, tente sympa niveau 3, la balançoire de niveau 2 et donc la rampe je vais l'avoir de niveau 1, voilà tout simplement. Donc sympathique, voilà mon camping il a peut-être un petit peu changé, donc on va d'abord aller voir le jardin quand même, parce que c'est quand même le plus intéressant je pense, c'est ce que vous attendez tous. Alors donc du coup comment ça se passe, il y a Marie, donc très bien, elle va nous expliquer. Bonjour. Salut Zelti, j'ai pour vous des nouvelles trépidantes. Votre camping bénéficie désormais d'un tout nouveau jardin. Vous pouvez y semer des graines, les arroser, ensuite observer les émotions, les fleurs qui poussent, d'accord, très bien. Et ceci à partir de tout de suite. Allez donc parler au Gyroïde, il se fera un plaisir de vous renseigner. J'ai tellement hâte de voir ce que vous allez y faire pousser.
Et genre, on peut pas réécouter des choses ou je ne sais quoi. Par contre, ça c'est grand, ça fait plaisir, ça fait un nouveau truc dans notre camping, ça fait assez plaisir. Ça se voit que le jeu commence à se développer, c'est sympathique. Bienvenue, je te devine rempli d'allégresse à l'idée de commencer à cultiver ton jardin. J'ai pris la liberté de labourer la terre pour t'épargner cette corvée. Il ne te reste plus qu'à semer. Voici justement quelques graines afin d'accomplir ce noble dessein. Puis viendra le temps de l'arrosage. 3 graines de tulipes rouges, très bien. Excellent, maintenant choisis un espace libre et plante-y tes graines avec allégresse et empressement. Bon, on n'a pas vraiment le choix là. En fait, il faut juste cliquer, on clique sur les graines. Et donc on clique sur le type de graines, très bien. Ok. On dirait du Harvest Moon, vous savez. C'est tellement ça. Et il faut pas cliquer sur terminer par hasard. Terminé. Ah, et donc ça c'est pour arrêter de planter, d'accord. Voilà des semences rondement menées. Bientôt, petites graines deviendront jeunes pousses. Par contre, mince, j'ai pas lu ce qu'il y avait avant. Mince, excuse-moi. Vous pouvez faire pause. Hein. Tes fleurs pousseront alors en un rien de temps. Voici quelques sacs d'engrais. Donc il paraît de l'engrais à mon avis. Ok, très bien. Donc l'engrais, ça va permettre, entre guillemets, de gemmer. Alors, je parle en jeu vidéo. Généralement, c'est toujours les gemmes qui permettent donc tout. Donc ça fait... Ah, 18 en tout. Ah, c'est 6 pour chaque plante. Oh la vache. Pardon, mais c'est beaucoup, quoi. D'accord, ok. 6 engrais pour une plante, c'est énormément. Après, je pense que genre, quand elles sont jeunes pousses et qu'on veut directement les faire passer à la telle plante, je pense que ça prend moins de temps. Après, c'est, je pense à un truc comme ça. Oh, les belles fleurs, vite, vite. Cueille les cueille sans tarder. Ok, cueillir. On peut les croiser. Oula, attention. On va partir en hybride, ça va être très très marrant. Non, mais la dernière. D'accord, on peut pas. La dernière, on pouvait pas. C'est pour ça que je l'ai pas prise. Il y a encore un sujet dont je dois tout ça t'entretenir. La pollinisation croisée. Donc ça c'est ce que j'avais vu. Ce procédé permet de croiser des fleurs ayant récemment éclos avec d'autres que tu as déjà cueillies. La seule condition est la suivante. Il est impératif que les deux fleurs appartiennent au même type. Quant au résultat, il est à la hauteur de l'effort puisqu'il est possible d'obtenir des graines rares. Donc je pense que ouais, en gros, vous pouvez mettre que des roses ensemble. Vous pouvez pas mettre une tulipe et une rose ensemble. Excusez-moi, j'ai encore sauté le dialogue. Donc croisement... Bah avec un type rouge. D'accord. C'est juste ça. Graine de type jaune pour toi. Oh, sympathique en fait, toi, d'accord. Ok, terminé. Oh, c'est sympathique. Hein. Oh, sauf erreur de ma part, il s'agit là de graines rarissimes. La jalousie m'étreindrait presque. La pollinisation croisée est décidément la providence du jardinier avide de graines exotiques. Ah, par contre, comment il parle? Et quel cœur demeurerait de marbre à l'idée de recueillir des graines de variétés florales rares. Garde toutefois à l'esprit que les fleurs utilisées lors d'un croisement se perdent du corps et bien. Ok, donc en gros, si on utilise une fleur, on la perd. Très bien. Peut-être t'interroges-tu sur la raison pour laquelle tu t'étreindrais à me livrer des fleurettes. Pour chaque bouquet dont tu me gratifierais, je t'offrirais un cadeau. Je l'ai baptisé cela le troc floral. D'accord. Peut-être une meilleure désignation existe-t-elle, j'en conviens. En gros, je pense que c'est pour décorer son camping avec des trucs sur le thème de type fleur. Un peu comme. Le mec là qui est dans Animal Crossing New Leaf qui nous aide de nettoyer notre ville et donc après il nous donnait des trucs en rapport avec les fleurs, pourquoi pas. Mais si le nom laisse à désirer, le service lui-même est irréprochable. Ainsi, je t'invite à le constater. Ok, un échange. Par contre, en vrai, c'est vraiment calme. Il y a genre aucune musique pendant qu'il vous explique, c'est absolument horrible. Utilis projet égale un bac de. Ah là, en fait, genre c'est juste ça, mais c'est pourri. C'est juste pour avoir un bac, genre c'est nul. On peut faire pousser, obtenir des graines. Ah, donc en fait, c'est à lui qu'il faut parler. Tu vas désormais instruit sur la science jardinière. Tu peux maintenant cultiver ton jardin. Accepte ce modeste de prévent afin de célébrer dignement cet auguste événement. De tulipes corail, de l'engrais, de tulipes rouges. Très bien. Ok. Ok, très bien. Et j'avais vu autre chose. Hein, sauf erreur de ma part. Bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, donc petite découverte de la mise à jour. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activer les notifications pour rester au courant de toutes les vidéos. Voilà, je vais arrêter de tourner. Bref, c'était ZTF. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde. Bye bye.